Il y a eu un gros problème la dernière fois. J'ai voulu faire grandir Sacha. Par contre, il est très tendu, le petit. Regardez, il est là, je l'ai fait grandir. J'ai dû changer du coup. Et j'ai fait accoucher madame. Enfin, j'ai pas fait accoucher, mais je. Regardez, elle a un bidou. Et je vais vous montrer quand même. Le troisième trimestre est quand même dans 13 heures. Donc, voilà. Bon, par contre, du coup, on n'a pas fini encore la. J'ai pas encore fini la fête de Sacha. Et vu que j'ai cru que je tournais, bah. Je lui ai quand même fait souffler les bougies. Arrête de parler avec eux. Ils sont un peu gentils. Shanna n'a pas d'emploi. Oui, je sais qu'elle n'a pas d'emploi. Il va falloir d'ailleurs la lancer dans un emploi. Ah oui, j'avais d'ailleurs mis ça exprès pour pouvoir le changer. Genre, j'avais mis le plus cher des trucs. Alors, donc tu vas cuisiner. Il faut qu'on trouve un poulet rôti. Poulet rôti. Où il y a ça? Il n'y a pas de poulet rôti. Peut-être là. Servir le dîner. Non. Dîner. Y a pas de poulet rôti, genre. Et puis en plus, il nous reste 75 films plus. Arrête avec ça, c'est dégueu. Faut que je fasse en sorte que les Sims se jouent à des jeux en même temps. Vas-y. Assieds-toi là. Va jouer aux échecs. Et toi, va jouer. Va rejoindre la partie. Arrête de boire ton café, s'il te plaît. Tu m'insupportes. Elle joue aux échecs toute seule. Et on va dire que. Toi. Fais-toi une présentation amicale. Et après, rejoindre l'aventure des pirates. Voilà. Arrête avec, s'il te plaît. Je m'en supporte. Va voir une fille de ton âge. Non, attends. Attends, ma puce. Pourquoi t'es blasé, gros? Oh non, mon petit loup! Il veut faire dodo, Louis. Attends, Louis, tu vas voir. On va te mettre un super lit. Tu vas voir. Ah oui, le pauvre, je veux pas qu'il dorme comme ça. Il faut qu'il dorme bien. Donc, je vais lui mettre un lit pas dehors, on va éviter. Tu vois, cet abri-là, je vais faire un truc. Je vais l'agrandir comme ça, il pourra bien dormir dedans. Je peux pas le voir comme ça, ça me fait trop de peine. On va juste faire ça pour pouvoir bouger ça. Si, il peut croiser d'autres objets. Allez, voilà, mets-toi là. Comme ça, je peux bien faire pour le petit loup. Hop. Par contre, c'est des grands murs. Voilà, et du coup, je peux supprimer. Voilà, comme ça. C'est parfait. On va revoir pour le petit, du coup. On va faire ça. On va lui mettre un gigali. On va mettre une porte, déjà, ce serait bien. Voilà, et on va mettre des lumières. Parce que là, le pauvre, ça me fait de la peine. On va mettre la plus chère. Elle éclaire pas. Mais quoi? On va mettre ça aussi au-dessus de son lit. On va mettre ça là. Voilà, nickel.
Voilà, c'est parfait. Pauvre loulou. Non, ça me fait vraiment de la peine. Allez, toi, mon grand. Va dormir ici, voilà. Arrête de faire ça. Fais pas de sieste par terre. C'est pas bien. Il est triste. Ouais, ça, le chat aussi, faut qu'il se repose un petit peu. On va lui mettre un lit quand même aussi à Sacha parce qu'il faut qu'il se repose également. Le lit. Ah, Josh, je peux pas le mettre là. Bon, je vais le mettre là, en milieu, tout va bien. Non, non, on s'en fiche. Et puis toi, Sacha, va dormir dedans. Arrête. T'es blasé, donc arrête. Il a faim aussi. Va dormir. C'est qui lui? Encore toi? Mais Clément, arrête! Oui, t'es le traiteur. On a compris que t'es le traiteur, mais bon. Non, après, prends une portion. Ça te fera du bien, mon corps. On va juste faire en sorte que ça se passe plus vite, tout ça. Il reste plus beaucoup de temps, mais on s'en fiche. Fête d'anniversaire terminée, médaille de bronze gagnée. Ouais, on a gagné 115 euros. On a besoin de plus. Oui, j'ai une récompense. Mais du coup, notre petite louloute, elle est enceinte. Donc, je vais quand même... Regardez ce qui se passe. 9h. Pourquoi il dort encore? Allez, va manger un bout, t'as faim. Voilà, c'est bon? Il est où? Ok, on va rentrer à notre domicile. C'est quoi ça? Aller à la garderie. Rentrer chez soi. Rentre chez toi, rentre chez toi. Peut-être je peux pas aller à la garderie tout seul. Je veux rentrer à la maison. Rentre chez toi, s'il te plaît. Voilà. Et voilà, nous sommes de retour dans notre petite maison. Alors, elle a toujours son petit bidou. Regardez-moi ça. Elle est plus grosse. Un petit coup, tu vas... Tu vas trop vite, là. Toi. Et du coup, va falloir changer le lit. Eh, ça va être trop compliqué. Non, tu dors pas. Tu dors... Bon, bah, tu peux dormir, si tu veux. Si tu changes. Puis toi, tu vas... Tenue. Changer de tenue. Tu vas mettre ta tenue habituelle. Et nous, on va se mettre en mode construction, sachant que là, c'est vraiment... Voilà, tu gagnes de l'argent, tu perds de l'argent et tout ci, tout ça. J'ai pas envie de mettre ça, en vrai. Bon, j'ai pas le choix. Bambin uniquement, bah non, je peux pas. Là, c'est... pour... les enfants et les adultes. Mais j'ai pas de place pour le mettre ici. Je vais décaler. Je vais mettre ça ici. Je vais décaler ça là et ça ici. On va mettre du coup. Donc ça c'est bonbon uniquement. On va mettre ça. Ah, ça m'embête parce qu'il n'y a que des portes. Attends, j'ai une idée. Toi, tu vas te déplacer ici. Du coup, les jouets, ils vont venir là. Voilà. Son lit, du coup, un poteau, il va venir ici. Non, je peux pas. Jure, je peux pas. Oh non, je vais péter un câble, les gars. Je vais péter un câble.
Bah mais je vais le mettre là pour l'instant. Je vais trouver le moyen. Je vais peut-être pouvoir, si j'agrandis ce terrain. Enfin, si j'agrandis celui-ci, le terrain. Et là, du coup... Ah ouais, mais je me suis fait vendre des choses, en fait. J'ai perdu des choses. Il faut un toilette et un bain. C'est pas possible. J'ai... Ok, vous savez quoi? On va mettre déjà le lit de notre... Le lit à un endroit. Donc celui-là, là. En fait, ça change rien. Faire comme ça. Ça sert à rien. Vous savez quoi? On va laisser comme ça. Je sais qu'il y a le... Il y a un... Ça va pas, la maison est vraiment moche. J'ai même perdu le lit, tu vois. En fait, c'est ça qui m'impressionne, c'est qu'en fait, là, du coup, bah, j'ai plus de toilette pour eux. Et vu que j'ai pas fait mes cultures, bah, y a plus d'électricité. Tu vas faire des photos. Tu vas faire que ça. Tu vas prendre des photos. Prends des photos de toi. Prends des photos, du coup. On fait plein de photos, les gars, parce que là, on a vraiment plus rien. Et on va se lancer dans une carrière. Il faut que je paye mes factures, je sais. Maman, va vendre à un collectionneur ça. S'il te plaît, maman. Fais quelque chose, il faut faire quelque chose. Sachant que le petit, là, il n'y a pas de lit. Il peut pas dormir. 241. C'est quoi la... Le nombre des factures? Combien qu'il faut payer? 517, mais quoi? Refais de la peinture. Fais de la peinture. Il faut qu'elle me fasse une peinture. Fais une toile, une petite toile. Parce qu'on a vraiment pas, on a vraiment plus grand chose à faire. Ils n'ont plus rien. Pourquoi ils mettent l'assiette ici? Mais ça sert à quoi? Puis toi, papa, vu que t'es mal à l'aise, jette-moi ça. Gâté. Voilà, il prend le reste aussi. Il prend ce qu'il y a là. Mais prends! Ah, merci. Voilà, nickel. Vas-y, ma belle. Fais-moi un chef-d'œuvre parce que là, on a pas le temps. Il faut qu'on paye les factures, là. On est qu'à 191. Non, non, non. Reprendre cette toile. Elle est mal à l'aise, mais elle fait sa toile, je comprends pas. Voilà, après tu pars me la mettre dans l'inventaire, je sais que je te laisse pas dormir. Mais là, on n'a pas le choix. 142, non, Michana. Bon, papa, t'es heureux, mais c'est pas grave, fais une toile classique. Je sais que t'aimes pas peindre, mais c'est pas grave. Oui, t'es tendu, je sais, mais là, on n'a pas le choix, mon grand. Des trucs moches en plus. Mets dans l'inventaire ça. 73. Non, mais vous faites pas d'effort. Sacha, il est parti à l'école. Et moi alors? Elle a envie de faire pipi. Non! Et voilà, elle est sale. Et c'est ça que je redoutais. Il faut d'abord qu'on paye les factures. Oui, je sais que t'es sale. Va nous faire une toile, tant pis. T'es confiante, donc tout va bien. C'est pas la fin du monde. Toile confiante, allez, on en a jamais eu ça. Fais-nous une belle toile confiante. Par contre, 100 euros, c'est cher. Parce que là, on est très mal à l'aise. Et tu dors. Reprendre toile confiante. T'as rien fait. Mais t'as rien fait. Pourquoi je dois... Elle est où? Mais allez. Sacha prend son déjeuner dans son sac à dos lorsqu'il aperçoit quelque chose de rouge à l'intérieur. C'est un petit mot en forme de cœur sur lequel il est écrit « T'es trop mignon ». Rien d'autre. Il croit qu'il pourrait s'agir de la nouvelle élève qu'il observe très souvent. Doit-il lui poser la question ou attendre la suite des événements? Va voir l'élève.
je peux pas faire quelque chose. Il faut qu'on paye les factures. Très embarrassé, bah oui, bah tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je peux pas construire, regardez, je peux même pas construire moi-même. Louis n'a pas payé ses factures depuis trop longtemps. La société d'eau et électricité a envoyé un professionnel pour saisir ses biens de valeur en guise de paiement. La nouvelle amie est seule car elle n'a pas encore beaucoup d'amis. Mais quand Sacha lui montre le mot, la nouvelle élève ne comprend pas. Je ne te connais même pas. Pire encore, la commère de la classe arrive et les voit ensemble. La situation est déjà horrible, mais ce sera bien pire bientôt. D'accord. On n'a plus rien. On peut plus construire, les gars. Regardez, c'est le noir complet. C'est 500 euros. Quand même, les factures, regardez, je vous remontre. C'est 517. Il faut vraiment qu'on les mette dans un travail, sauf qu'on ne peut pas. Alors, ma belle, oui, t'es mal à l'aise. Ah ouais, mais elle veut faire pipi, mais... Je vais lui payer, mais après, je le revends tout de suite. Sacha a terminé l'école pour... insatisfaisant. Mais les professeurs de l'établissement école élémentaire Plénosas pensent qu'il pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. D'accord. Parce que c'est vraiment compliqué là, non! Mais on peut plus construire, c'est ça le truc! C'est que je peux pas construire, je peux pas aller faire pipi. Est-ce que Sacha, il peut faire la toile? Il peut pas faire la toile. Il m'a mis ça dans l'inventaire. Allez, énergisé, vas-y. Fais-moi une toile abstraite. Une petite, s'il te plaît. Comme ça, on est à 200. Mais il faut vraiment qu'elle nous fasse un chef-d'œuvre, les gars. Si on s'améliore pas, on va pas pouvoir avoir un travail. Reprends-moi cette toile. Arrête, s'il te plaît. Arrête, non. Puis en plus, c'est quand l'accouchement, là? Parce que je suis en train de me dire. Ok. Dans pas longtemps, elle peut accoucher à tout moment, les gars. Donc, on se dépêche. Là, tout le monde dort. Mais là, ils puent tous. Je me sens mal. Je peux pas. Pourquoi je peux pas? Vous ne pouvez pas sauvegarder lorsque l'huissier est en train de saisir des biens. Pourquoi? En fait, j'ai pas compris. Pourquoi ça va pas? Elle veut se laver, elle veut... On va voir quand même comment ça se passe. Si elle a faim, on peut lui donner à manger, ça. Ça, c'est... Il n'y a pas de problème. Tiens, fais-toi manger un repas rapide. Mange des céréales. Voilà, mange ça, ça va te faire du bien. Oui, le bébé, il pue. Bah, tu jettes ça. Et après, tu changes la couche. Voilà, ça, c'est bien. Mais pourquoi elle l'a mis là? Jette-moi ça. Mais jette. Mais pourquoi elle le met là? Il y a une poubelle là. Voilà. Mais arrête. Non. Mets ça dehors. Voilà, on met ça dehors. On sera tranquille. Ils puent tous. Oh, je te jure, je vais péter un câble. Je peux plus rien faire. C'est quoi l'huissier? La vessie est en train de baisser. Bah, elle peut se faire pipi dessus, ça va encore. Par contre, elle a faim. Mais pourquoi tu dors? Mange. Manger un repas rapide. Des céréales. Mange des céréales. Mange. Qu'est-ce qu'il y a? Louis est vraiment contrarié d'avoir perdu ses biens les plus précieux. Payer ses factures est difficile, mais les conséquences de ne pas les payer peuvent être bien pires. Oh, la saleté et la bouffe font partie de la vie d'un bambin, mais un petit bain de temps en temps, c'est bien. Ouais, en fait, ils veulent tous se laver, là, les loulous. Non. Puis, le travail a commencé en plus. Oh non. De faire la commande, son petit bout de chou. Bah oui, mais c'est bien ça, mais... Pas maintenant.
Je te jure, je vais péter un câble. Ouais, bah accouche ici, c'est une bonne idée. Ouais, c'est bien, accouche là. Mais pourquoi tu t'endors? Le travail, il a commencé pour toi. Il va accoucher. Avoir un bébé, mais va faire ton bébé. Punaise. Qu'est-ce qu'elle a? C'est une fille, enfin les gars. Enfin une fille. On va l'appeler Éléonore. Un seul encore. Pourquoi qu'un seul? Oh, je suis pas d'accord par contre. Non, 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 non. Je suis pas d'accord. On est qu'à 200 là. Oh, mais t'es mal à l'aise. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis la vessie, la vessie, ça va, elle peut se faire pipi dessus. L'énergie, puis la faim et tout ça, c'est. Tu peux rien faire à ça. T'es seul. Je vais m'énerver. Elle a faim. Eh les gars, c'est trop compliqué. On peut pas vendre certaines choses. C'est ça qui m'embête. C'est que je. Si il me fait rien. Clément n'a pas payé ses vacances. Oui, bah laissez-moi aussi avoir l'argent qu'il me faut. Et puis voilà. Toi déjà, va me finir cette toile. Reprends la petite toile. Je sais que t'es mal à l'aise, mais là on n'y peut rien. Si tu veux qu'on paye les factures et qu'on a la lumière et que tu peux te baigner. Voilà. 204 euros, merci ma belle. On est à 404, on a bientôt fini. Vas-y, on a bientôt fini, on a bientôt fini. Fais-moi cette toile-là, elle est très belle, je le sais. Et je pense qu'elle coûte cher, je ne sais pas pourquoi, mais je pense. On va essayer, on va essayer, on va faire essayer. N'en abandonne pas. Mets-la-moi dans l'inventaire. Pourquoi le bébé il pleure encore? 258, oui. C'est bon, on est à 562, on peut payer les factures. Let's go, let's go, let's go. Par contre, les gens là devant la maison, genre, tout va bien. Payez les factures. Paye-moi les factures. On a payé les factures, on a la lumière qui revient. Ça, c'est bien. C'est quoi? L'huissier est en train de saisir des biens. Vous ne pouvez pas sauvegarder lorsque l'huissier est en train de saisir les biens. Ouais, je peux pas sauvegarder, c'est exact. Mais qu'est-ce qui se passe? Genre, je peux pas. Et le bébé, il pleure ou pas? Non, le bébé, il dort. Éléonore, allez. Parle au bébé. Allez, Éléonore. Tout va bien. Change-lui la couche. Après, tu vas la nourrir. Allaite-la. Allaite-la. Voilà, allaite-la. Parce que j'ai pas envie de la changer d'âge maintenant. Elle est inspirée, mais elle est sale, elle est sale. Les gars, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je peux pas construire? Faut me le dire en commentaire parce que vraiment là, je suis vraiment. Ma peau me démange à cause de cette couche sale. Oh. Maman. Change-lui la couche. Parce que là, ça va vraiment pas. Change-lui la couche, s'il te plaît. Mais change-lui la couche!
Bah ouais, mais je peux plus faire de toile là. Ok, on va prendre des photos, on va prendre que des photos. Je peux pas prendre un travail, se lancer dans une carrière. J'ai pas assez. Non, là, elle essaye de trouver une carrière. Ok, on va. 16 euros par heure, 9h à 17h, ouais. 11h à 19h, auteur. Je sais qu'elle aime bien écrire, mais on n'a pas encore fait ça. Culinaire. On a fait ça, c'est bien ça. De 9h à 17h aussi, mais au moins on gagnera de l'argent. C'est 15h par heure. Et c'est pas mal en vrai. Franchement, c'est un bon travail. Et toi aussi, mon poteau, tu vas te lancer dans un travail. Tu vas te lancer dans une carrière. Parce que sinon, ça va pas le faire. Par contre, elle est sale, elle est pas bien. Parce que peut-être si on gagne de l'argent, on peut trouver. Oui, le bébé, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Voilà. Toi, tu vas te mettre dans les affaires. Ah, mais les enfants ne peuvent pas rester tout seuls. Criminel, 17h. C'est de minuit à 17h, mais n'importe quoi. Peintre, il aime pas peindre. Alors, c'est de 9h à 17h. Babysitter. Ah, babysitter, on peut changer. De 7h à 13h, ça on peut faire. Voilà, il est babysitter. C'est 33 euros par heure. Pourquoi le bébé il pleure, je te jure? C'est lancé dans la carrière babysitter. Clément est désormais babysitter en droit à 1. D'accord. Clément, il est sale, hein? Ah, j'ai cru qu'il était pas sale. On va voir maman changer l'âge de bébé. Plus de choix, changer d'âge. Regardez, c'est parti, c'est parti. Ok, c'est parti. Petite magie. Et boum! Éléonore a vieilli. Attention. Non, on l'a déjà lui. Angélique, voilà, on l'a pas. Ah mais Éléonore, mais c'est une fille en plus, pourquoi elle est comme ça? Allez, changer le Sims. Je peux pas, mais Éléonore, c'est pas une fille ça. Ouais, c'est un garçon, c'est pas une fille. Hein. C'est pas. Je veux changer ça, c'est pas possible. Je peux pas. Va essuyer ça. C'est la seule fille. Et c'est quand les anniversaires? Faut que je vois. Ok, Léonore, c'est là. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre petit loup. Donc, il est grand. Alors, on va l'organiser. Social. On peut pas organiser d'événements. Tu sais quoi? Va cuisiner un gâteau au chocolat. Je sais pas par contre ça coûte combien les gars. J'espère que ça va aller. Elle veut faire pipi. Bah si tu te fais pipi dessus c'est pas grave. Il est quelle heure? Il est 6h du matin. Genre Éléonore c'est la seule qui pue pas tu vois. C'est ça qui me fait rire. Oh non non non. Toi tu vas me réparer ça. C'est important. Tu peux mourir, on le sait tous, mais on s'en fiche. Parce que de toute façon, on peut changer de parent. Le faut. Voilà, lui, il a raison, il va dormir avec dans le lit de sa mère et son père. Euro plus 3. T'as besoin de dormir. Eh ben, mon grand, tu vas aller dormir après.